L'Assemblée nationale estime ce jeudi l'examen du projet de budget 2025. Nous apprend Info 27 si l'on s'en tient au communiqué officiel diffusé hier mercredi par les rapporteurs de l'Assemblée nationale, Jacques Njoli. Après avoir adopté 48 heures auparavant les rapports issus des analyses approfondies de deux projets de loi de finances présentés par l'exécutif national, notamment les rapports des deux projets de loi de finances représentés par les lois portant reddition des comptes 2023-2000 et le projet de loi de finances rectificatif du budget 2024 adopté. La voie est donc balisée pour entamer les discussions sur le projet de loi de finances 2025. Aujourd'hui, au Palais du Peuple, mobilisation générale des députés honoraires pour réclamer leurs droits, à en croire la référence à plus. Le Palais du Peuple sera en ébullition ce jeudi 31 octobre. Des députés nationaux honoraires de la législative 2018-2023 et ceux réunis s'y donnent rendez-vous pour réclamer leurs droits au gouvernement. Judith Souminois, avant que les votes du projet de budget de l'exercice 2025 en examen à l'Assemblée nationale pour ces députés honoraires et ces réélus aux élections de décembre 2023, il s'agit pas de demander une faveur, mais de réclamer leur dû. Révision constitutionnelle, ECC écrit, Média Congo considère la démarche comme étant une simple idée émise par le président de la République Félix Tshisekedi. D'après Maurice Mondego, directeur de la communication, presse et relations publiques de la présidence nationale de l'ECC, Église protestante attend que cette démarche soit transformée en initiative politique avant de donner sa position. De leur côté, les laïcs catholiques redoutent un nouveau mandat de Félix Tshisekedi, souligne Ouragan. Regroupé au sein du comité laïque de coordination, les principaux animateurs pensent que lancer un débat sur la révision ou l'adoption d'une nouvelle constitution pourrait aggraver les attentions déjà vives dans les pays alors que les crises militaires, humanitaires et sociales persiste. Avant de terminer, celle s'est dit non à un front constitutionnel, titre de son côté les foires. Ses animateurs, le professeur Ndaiwel en tête, plaide pour une large concertation entre les représentants des forces vives de la nation pour dégager un compromis en ce qui concerne l'option définitive à lever et à mettre d'accord ensuite leurs dispositions constitutionnelles à modifier ou nouveau texte de la loi fondamentale du pays à soumettre au référendum populaire. Après la CEMCO et la plateforme des confessions religieuses, c'est désormais l'entrée en scène du comité laïque de coordination dans ces débats autour de la révision constitutionnelle. Quelle analyse faire de ces débats dans un contexte d'insécurité à l'est de notre pays, nécessité ou urgence, quelle option adopter pour l'instant? Nous avons sur ce plateau dans Grande Tribune, nouveau numéro, c'est jeudi, nous avons Monsieur Damien Terranova, il n'est plus à présenter dans ses magazines, il est l'habitué. Monsieur Damien, bienvenue. Merci beaucoup, je vous remercie d'avoir pensé une fois de plus à notre modeste personne. Je salue mon collaborateur dont je vous laisse la primeur de présentation. Mais comme il se trouve en face de moi, je le salue. Je salue tous ceux qui nous suivent à travers votre chaîne. Beaucoup plus, j'aime bien le dire, hein, pour ceux qui nous insultent à cause de nos opinions et aussi ceux qui nous encouragent à cause toujours de ces mêmes opinions. Parce que nous, ce qui prime pour nous, c'est la République démocratique du Congo. Et non les individus, on ne fait pas les débats d'hommes, on fait les débats d'idées, les débats du pays. Alors voilà, je vous remercie une fois de plus et
je suis à votre disposition pour éclairer l'opinion sur certains points d'actualité. Merci beaucoup, vous l'avez déjà dit, vous n'êtes pas seul. Monsieur Basile Diatezoa, bienvenue également. Merci. Je suis toujours content d'être avec vous Merci. et surtout pour essayer d'expliquer à l'opinion les différentes problématiques qui nous concernent. Et j'espère que le débat sera intéressant, les réflexions, les échanges pour éclairer l'opinion. Merci. Merci beaucoup. Alors, je voudrais bien commencer avec Monsieur Damien. Quelle analyse faites-vous aujourd'hui après les débats lancés par le président de la République qui n'a pas précisé les changements ou la révision? Il a parlé il émet quand même la volonté de revoir ou de changer complètement. Jusqu'ici, qu'est-ce que vous en pensez à votre niveau? Oui, merci beaucoup pour cette question qui est pertinente. Je pense que M. Félix Tshisekedi, une fois de plus, a joué son rôle qu'il a toujours joué avec l'UDPS, celui du populisme. Parce qu'il avait autre chose à dire aux Boyomé, à cette population qui attendait mieux. Parce que lorsqu'il est passé par là, pendant la campagne, il a fait des promesses à ses peuples. Et aujourd'hui, une année plus tard, depuis qu'il a pris le pouvoir, ses peuples n'ont rien vu. Même pas un début de changement ou d'amélioration de leurs conditions. Au lieu de leur dire pourquoi, M. Félix Tshisekedi a estimé que c'était pour lui une belle occasion de distraire une fois de plus cette population. En leur parlant de la Constitution. Chose dont il est conscient qu'il est impossible, dans le temps qui est le nôtre aujourd'hui, d'amorcer un quelconque ou une quelconque révision ou un quelconque changement. On ne peut pas changer la Constitution actuellement, on ne peut pas réviser la Constitution actuellement parce que cela est condamné, a été prévu dans cette même Constitution, à l'article 219. Pendant l'état des sièges, ou pendant l'état des guerres, ou pendant. En fait, pendant ces temps, on ne peut pas émettre, oui, émettre une idée sur les changements ni la révision de la Constitution. Il le sait très bien. Et donc, une distraction de plus, je dirais encore, parce que. Au lieu de nous focaliser sur ce qui est notre situation actuelle, ça fait 3 ans que nous avons perdu Bounagana, ça fait ça fait 2 ans, si pas une année déjà, que nous avions perdu Rutshuru, et très récemment, il y a eu une tentative de perte de Walikale, dont j'ai appris hier qu'on aurait récupéré quand même une partie. Mais c'est cela qui est derrière mon inquiétude. Au lieu que le président demande à la population de continuer à être demeuré vigilant et de continuer à se battre pour récupérer cette partie de la République démocratique du Congo, non, mais voilà, monsieur se donne encore une fois de plus l'occasion de distraire le peuple congolais en leur parlant d'une constitution dont il sait qu'il ne compte pas toucher. Merci beaucoup. Vous aurez également. On revient pour peut-être des précisions. Alors, Monsieur Basile, quelle lecture vous faites par rapport à ces débats jusqu'ici? Ben, écoutez, je crois que ce débat, bon, il est trivial, hein, il est normal. Bon, dans une communauté politique, chacun émet ses idées, ses opinions. Et le chef de l'État, c'est un citoyen comme tout citoyen. Il a ce droit d'émettre une opinion. J'aimerais quand même qu'on précise une chose. C'est que n'oubliez pas que le président de la République a un parcours politique. Hein, dans sa lutte avant d'être chef de l'État, il a milité dans un parti politique. Et il y a eu une évolution historique, idéologique, ainsi de suite. Donc, il faut prendre tout ce background pour comprendre sa pensée, peut-être. Il a lancé un débat, c'est aux Congolais, évidemment, de contribuer pour éclairer l'opinion. Mais en ce qui concerne cette constitution,
l'actuelle constitution. Personnellement, je n'ai jamais soutenu cette constitution. Ah, ok. Personnellement. Mmh. Déjà un an avant le référendum, janvier 2006, j'avais fait une réflexion de plus ou moins 6 pages pour essayer d'éclairer la classe politique congolaise sur les enjeux de l'ordre politique qu'on est en train de nous imposer dans notre pays. Vous savez dans quel contexte on a élaboré cette constitution ? C'était le contexte de Sun City. Le pays était partitionné, la classe politique n'était pas à la hauteur de transcender leurs égos pour trouver des solutions d'une façon autonome au niveau national, et il a fallu des interventions extérieures pour venir essayer un peu de remettre de l'ordre. Et évidemment, ceux qui ont piloté la transition, des forces étrangères, on les connaît, on n'est pas là pour les citer, ils en ont profité évidemment pour essayer d'imposer un ordre politique en fonction de leurs intérêts aussi. C'est le bon sens même en politique. Okay. Malheureusement, nous avons une classe politique qui est tellement distraite. Et moi, j'avais fait cette réflexion-là pour mettre en garde. Je dis, attention, on est en train de nous imposer un ordre politique. Si vous ne vous réveillez pas, il sera trop tard. Okay. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que dans le draft même, puisque moi je parle du draft de cette constitution, le draft, c'est incontestable, ça a été élaboré à Liège. Moi, je vis en Belgique, je mène ce combat de l'opposition depuis les années 80, donc je connais l'esprit politique belge. C'était aussi ça la question, parce que dans l'opinion, on nous dit que la constitution des étrangers, on ne comprend pas. Non, il faut préciser, saisir, exactement. Il faut saisir les nuances. Hein. Bon, vous savez que Louis Michel a piloté la transition chez nous, n'est-ce pas? Vous le savez. Il y a eu tout un processus. Rappelez-vous même, des partis politiques étaient invités en Belgique à un colloque là, pendant, je crois, presque une semaine, aux frais du contribuable belge, pour essayer de canaliser, donc au fond, de donner les directives avant Sun City à la classe politique congolaise. Et moi, je suivais ça de près, j'avais mis en garde, j'avais alerté le pays, attention. Eux, ils ont leurs objectifs, nous aussi, nous avons nos objectifs. Quand nous irons à Sun City, il faut faire attention. Et voilà que nous sommes arrivés à Sun City. Bon. Le premier souci de ceux qui pilotaient la transition, c'était d'abord de légitimer le président Kabila, puisqu'il n'avait pas de légitimité. Okay. Il est arrivé président suite à la ODC de son père. Bon. Mais il fallait trouver d'abord le légitimer. Mais pour le légitimer, ces milieux, ils ont posé des conditions. Et ça, les Congolais étaient dans l'ignorance totale. Rappelez-vous, enfin, je ne sais pas si vous le savez, c'est Mugabe qui est arrivé à Bruxelles pour convaincre Louis Michel de soutenir Joseph Kabila. Et Louis Michel a posé des conditions pour qu'on arrive à légitimer Joseph Kabila. Et le but de Sun City, c'était d'abord ça, qu'on arrive à légitimer Joseph Kabila pour la période de transition. Ce qui a été fait. Mais la cause... Hein, la cause de ces violences à l'Est, puisque le pays était partitionné. Quand le RCD Goma, qui représentait les griefs de la communauté Banyarwanda au Congo, à Sun City, voilà nos griefs. Okay. C'est Louis Michel qui a dit aux représentants du RCD Goma, ce grief, vous allez les résoudre, vous allez les poser pendant la période de transition. Okay. D'ailleurs, vous, Roubaix-Roi, vous serez un des vice-présidents pendant la période de la transition. Donc, c'est lui qui pilotait tout. C'est là où les faiblesses ont commencé à parler. Mais bien sûr, moi j'avais bien dit que toute la classe politique était piégée. D'abord, les groupes armés, ils avaient de casseroles,
ils ont commis des bévues, tout ça là, et Louis Michel, enfin, toutes ces forces étrangères, ils avaient tous les moyens pour les manipuler. On leur a imposé à Sainte-City, ils devaient suivre les directives imposées. Bon, on voit déjà dans quel état d'esprit. Quand on prend le draft de cette constitution qui a été faite à Liège, rappelez-vous, toutes les constitutions du Congo depuis 1960, pour être candidat aux élections présidentielles, il faut avoir 40 ans. Okay. N'est-ce pas? Quand tu vérifies, toutes les, c'est comme ça, c'était comme ça, 40 ans. Mais parce qu'on voulait justement légitimer d'abord Joseph Kabila et puis le faire élire aux prochaines élections, on a dû baisser l'âge. Bon, déjà, on voit bien l'esprit de cette constitution. Dès le départ, l'esprit était déjà biaisé. C'est ainsi que moi je dis non, nous ne pouvons pas soutenir cet ordre-là. Nous ne pouvons pas soutenir cette constitution. Donc, aujourd'hui, si on pose cette problématique, moi, j'approuve, il faut revoir notre constitution dans l'autonomie, mais alors il y a des préalables. Okay. Et on va... On peut parler de réviser ou les changer. Non, changer carrément, il faut un autre ordre politique. Il faut un autre ordre politique. Ok. Ça c'est mon esprit. On a compris. Ce n'est pas question de changer les articles. Non. C'est pour cela, la thématique, si j'ai accepté de venir, c'est parce que la thématique est très intéressante. Changer la constitution dans un contexte d'insécurité. Très bien. Voilà la vraie problématique. On revient pour enchaîner. C'est ça. Alors, M. Damien, vous avez suivi M. Basile. Il a soulevé un peu le début qui démontrait déjà la faiblesse de notre constitution. Votre réaction, comme ça, on continue. Oui, merci beaucoup. Je vois déjà quelle est la température du débat. Il est très intéressant parce que j'aime bien me retrouver devant des personnes bien outillées très et puis qui aiment beaucoup plus la République démocratique du Congo, qui est son pays. Oui, je sais que ce que M. Basile dit est vrai. Notre constitution, le draft en fait, parce qu'il parlait du draft, il ne parle pas de la constitution d'abord, comme ils m'ont dit, a été faite en Belgique, c'était vrai. Et nous avions eu à l'époque de nous insurger contre nous autres. C'est comme d'ailleurs notre code minier. Ça a été fait dans la même contexte. Mais Kabila l'a revu par des Congolais qui ont mis des nouveaux articles. Et notre constitution aussi a été élaborée comme ça. Et puis il est arrivé au Congo où on a mis les dernières touches pour avant la publication. Alors, il est bien vrai que c'est une constitution post-conflit. Donc, il est tout à fait normal que ces personnes qui étaient en conflit, tout justement, devait se retrouver aussi dans cette constitution, des mêmes que ceux qui étaient du côté pouvoir, comme Kabila, qui a eu le privilège de se voir être promu, un président qui devait venir, qui devait devenir après cette entente. Alors, la plus grande question d'aujourd'hui, c'est de savoir est-ce qu'on peut la changer maintenant. Moi, je dis non. Non, pourquoi? Parce que le même contexte par lequel cette constitution est née, la situation du pays, ça n'est pas déduit. Nous sommes dans le même contexte. Voilà. Ce qui veut dire, si nous nous précipitons à changer ou à améliorer cette constitution, nous allons retomber dans le même problème qu'on avait avant cette constitution. Okay. D'où il n'est pas propice de la changer maintenant. Et pour, moi, je dirais encore que c'est un piège pour nous. C'est pourquoi je parle d'une distraction. Okay. C'est un piège. Pourquoi? Parce que si seulement nous osons toucher cette constitution, nous allons perdre certaines légitimités sur certaines terres. Par exemple, aujourd'hui, nous ne contrôlons pas Bounagana, je ne cesse de le dire. Bounagana, Rutshuru, et ainsi de suite. Et d'autres petites villes, enfin, d'autres villes à l'est de la République démocratique du Congo. Lesquelles, d'ailleurs, étaient déjà occupées avant que cette constitution ne naisse. Et d'où la constitution a tiré ses racines. C'est ça.
Mais aujourd'hui, si vous coupez cette constitution qui leur donne une certaine légitimité aujourd'hui, eh bien, si demain vous la changez, ces gens-là-bas n'auront plus à se retrouver dans la légitimement dans cette constitution. Donc, ça veut dire qu'ils vont se créer une partie de la terre et nous allons perdre. C'est pourquoi moi je parle d'une distraction, pour ne pas dire d'une complicité, auquel M. Félix Tshisekedi nous avait pour le moment. Donc on ne peut pas, et que ce soit l'UDPS, nous devons bien réfléchir la République démocratique du Congo et non pas des partis. Parce que moi je ne parle même pas de l'article 220 où M. Félix Tshisekedi veut s'éterniser au pouvoir. Je suis bien d'accord, mais il va s'éterniser sur quelle terre? Parce que automatiquement, aujourd'hui, dans le gouvernement, vous avez ceux qui approuvent et ceux qui n'approuvent pas. C'est ça aussi. Donc, la question. Tous les belligérants d'hier n'approuvent pas le changement de la Constitution. Ce qui veut dire, dès que M. Félix Tshisekedi amorcerait, je dis bien amorcerait, un quelconque changement, les belligérants d'hier vont se retourner dans la guerre. Notamment Jean-Pierre Bemba, qui ne dit pas mot aujourd'hui. Mais je sais qu'il ne peut pas être d'accord parce que cette constitution aussi légitimée, les légitimés, c'est pourquoi il est devenu vice-président. Alors, demain, s'il n'y a plus de constitution, le boulevard est ouvert. Tout le monde va récupérer la partie qui lui était, parce qu'ils n'auront plus de raison à ce moment-là. Et donc, c'est la République qui sera miettée. C'est la République qui sera miettée. C'est pourquoi, moi, je dis, il n'est pas opportun. Plus tard, lorsque nous aurons récupéré toutes ces parties, et puis, nous avons une opportunité que M. Félix Tshisekedi n'arrive pas à saisir. C'est que, si hier, les autres sont entrés en jeu à cause d'une quelconque entente sur une table, qu'on a appelée la Sun City, aujourd'hui, nous avons le privilège de faire la guerre, une guerre sérieuse, une guerre assidue, à ces mêmes personnes-là, et les bouter dehors, en fait, les décourager, les anéantir une fois pour toutes. Nous récupérons nos terres et à ce moment-là, notre drapeau aura plus de valeur sur cette terre-là. Et là, nous pouvons aller changer cette constitution. Pourquoi? Parce que nous serons en état de force et les autres ne vont plus revenir réclamer quoi que ce soit. À ce moment-là, le pays dira, nous vous avons donné une opportunité de vous amender, mais voilà, vous vous êtes endurci et vous vous êtes retourné dans ce que nous devrions éviter autrefois en vous donnant une constitution qui vous légitime. Parce qu'aujourd'hui, vous allez voir, toutes ces ethnies là-bas, les rwandophones, se retrouvent valablement dans notre pays. Robert Roy a été vice-président. Moïse Nyarugabo a été au Sénat plusieurs fois. Nous avons connu Rubwiza qui a été le numéro un de notre douane et assise. Ils sont nombreux comme ça, les amis qui sont venus, qui ont migré au Congo, venant du Rwanda. On les a donné une certaine légitimité. On a même donné tout un ministère de décentralisation à Robert Roy, qui en a fait plusieurs années. Et aujourd'hui, si ces derniers, ils ne se retrouvent plus dans cette constitution, je pense que ça sera l'hécatombe pour la République démocratique du Congo. Donc, c'est pourquoi je dis, moi, cette constitution, mauvaise qu'elle soit, elle a sa raison d'être dans son état, et que nous avons l'obligation, nous le fils du terroir, nous le fils du pays, nous avons l'obligation de nous donner cette valeur ou bien cette force de reconquérir nos partis qui sont occupés aujourd'hui, et demain, nous pouvons faire ce que nous voulons. Parce que cette même fragilité qui nous a été mise à l'époque de Musée, la même, nous l'avons aujourd'hui. Et si nous osons toucher cette constitution, je pense que... Je pense que M. Damien a soulevé des faiblesses ou les dangers peut apporter les changements ou la révision en ces moments. Alors, votre lecture par rapport à la question posée, les contextes d'insécurité actuellement, ne donne pas l'opportunité à cette démarche. Oui, ça dit que son avis est pertinent, dans le sens que il a souligné le contexte historique de cette constitution, les violences, les rébellions, tout ça là, et puis après, les forces rebelles se sont retrouvées sur le plan politique, tout ça là. Mais alors, le problème reste. Rappelez-vous,
Roubaix Roy, vice-président. Quelques mois après Sun City, il y a eu le massacre de Gatumba. Roubaix Roy fait une déclaration. Il dit voilà, malgré Sun City, nous constatons que la communauté rwandophone n'est toujours pas acceptée dans la famille congolaise. Je rentre à Goma pour continuer la rébellion. C'est lui, Michel, qui a fait pression sur Roubaix Roy à titre individuel pour revenir à Kinshasa et continuer sa fonction de vice-président. Sinon, il allait balancer le dossier du RCD à la CPI, ainsi de suite. C'est connu. Et suite à cela, il y a eu la création du CNDP avec le général Laurent Kouna, qui était le chef d'état-major du RCD Goma, qui a continué la lutte du RCD Goma. Mais quand on analyse la situation actuelle sur le plan de la convivialité entre les communautés, hier, par hasard, on m'a envoyé une vidéo. Il y a une dame congolaise, qui est une amie d'ailleurs, Madame Chantal, qui est ministre des droits humains. Je vois une vidéo là où des militants, je crois, de l'UDPS ou je ne sais pas moi quoi, qui dit mais Elongiwana et Zalakayaba, Yaba et Zaraya Kongote. Donc là, tu vois là, le faciès de Maman Chantal. C'est une amie que je connais de longue date. On a vécu avec elle en Belgique, je connais sa famille, je connais ses enfants, tout ça. C'est une moive. Oh, et Longiwana, et Zalakayabi sauté. Donc, ce problème identitaire est là. Quand on voit ce qui se passe à l'Est, la haine qui est entretenue par des acteurs politiques, ainsi de suite, bref, les mêmes causes vont produire les mêmes effets. Donc voilà pourquoi est-ce que je me suis intéressé à ce débat. Et lui, il a donné inconsciemment une orientation. Il est plus que temps. Il est plus que temps de se mettre autour d'une table. Pas dans ce concept de dialogue à la congolaise. Par quel mécanisme? Non, j'en arrive d'abord. Je voudrais d'abord exprimer ma pensée. Ça dit que il nous faut un pacte citoyen dans notre pays. Parce qu'il y a des Congolais qui n'arrivent pas à saisir le concept de la nationalité. Quand on voit, il y a eu des débats ici, de père et de mère. Donc, anthropologiquement, nous n'arrivons pas à saisir ce que c'est la nationalité, la citoyenneté. Jusqu'aujourd'hui, il y a des Congolais qui sont convaincus qu'un Tutsi ne peut pas être Congolais. C'est là, dans les années. Donc, il y a quelque chose qui ne va pas. On a raté le coche à la conférence nationale souveraine. Vous vous rappelez, à la conférence nationale souveraine, on a chassé tous les Tutsis. Je dis bien tous les Tutsis. Faciès, quand on voit le... Bima. On les a chassés. Évidemment, le point culminant, c'était la rébellion de la FDL. On a connu le phénomène Kabila. Donc, les mêmes causes sont là. Cela veut dire que 64 ans après l'indépendance, nous sommes encore au stade d'accepter l'autre pour un destin commun. Donc, cela veut dire quoi? On doit aller autour d'une table pour ce pacte de citoyens. Vous comprenez? Pour ce pacte de citoyens. Moi, je vis en Belgique. Mais en Belgique, il y a des Belges racistes. Des blancs belges racistes. Mais la loi belge me protège. Vous comprenez? J'ai les mêmes droits que le blanc belge. Vous comprenez? Il n'y a pas de demi-citoyen ou je ne sais pas moi. Non! Si un blanc belge s'attaque à mon intégrité, à ma personne, soi-disant que je suis un macaque ou bien je suis noir, tout ça là, je porte plainte, il sera puni par la loi. Vous comprenez? Bon, alors, nous ici, il y a des Congolais, et c'est là le drame à l'Est. On refuse
Je dis bien, il y a des Congolais qui refusent qu'il y ait des Banyarwanda congolais. Ils refusent. Et pourtant, Léopold II nous a rassemblés tous sur sa propriété. Léopold II a reconnu dans sa propriété des populations congolaises d'expression kinyarwanda, des Hutus et des Tutsis et toi. Les publications scientifiques sont là. Ok. Vous comprenez? Il y a des Belges qui sont, il y a des Blancs belges, hein, des Blancs, qui sont nés au Congo. Hein, qui sont nés au Congo. Et si on prend la constitution de l'État indépendant du Congo, ils sont Congolais. Ils étaient Congolais. Si on avait appliqué le plan Van Bilsen, on aurait aujourd'hui une communauté belgo-congolaise, comme en Afrique du Sud, dont des Blancs qui seraient des Congolais. Merci. Alors, pourquoi est-ce que 64 ans après l'indépendance, on est encore à ce stade d'identifier qui est Congolais, qui ne l'est pas? Donc, pour moi, okay, cette constitution, il faut la changer. Oui, mais pour moi, le préalable, allons d'abord autour d'une table, okay, pour ce pacte de citoyens. Dès lors qu'on aura ce pacte de citoyens, maintenant, on va élaborer cette constitution pour dire voilà comment on va organiser le pouvoir politique dans notre pays. Ce n'est pas, je reviens avec la même question, ce n'est pas dans le même sens que le président parle d'adapter une constitution à nos propres réalités. De quoi il s'agit réellement? Comment avez-vous compris cette notion? Là, je ne peux pas entrer dans son secret. Nos réalités actuelles, on ne comprend rien. C'est quoi là? Non, je dois aborder dans le même sens que M. Basile, c'est M. Basile. Oui. Monsieur Basile, ce matin déjà, j'ai eu quelqu'un au téléphone et du coup on a commencé à parler. On parlait les trois langues, hein. On parle lingala, on parle français, on parle swahili, c'était entremêlé. C'est quelqu'un que je n'ai jamais vu. Okay. Et je regarde sur son profil, je vois la photo d'un blanc. Ouais, okay. un blanc. Et puis bon, je me dis, bon, certainement, Mastanaé. C'est son ami et tout ça, il a mis, c'était son anniversaire et tout ça. Et il dit, ah ben déjà, je suis avec ma femme ici. Il me demande si je suis marié. Moi, je dis oui, je suis marié. Et puis, il me taquine comme ça, il me dit, ah ben, tu as épousé une belle Kassayenne. Et puis, moi, je dis non, moi, ma femme n'est pas Kassayenne, ma femme est de Bandundu. Il me dit, ben, et toi alors, tu es d'où? Je dis, bon, moi, je suis de ça, je suis Congolais. Il dit, ah ok, mais c'est une bonne chose. Alors il me dit, ma femme est du Katanga. Elle est Lubakats. Je dis, ah ben ok, Lubakats, il y a des belles femmes et tout ça. C'est quelqu'un que j'ai jamais vu, mais on est en train de parler. Et du coup, il me dit, il me sort, il dit, ben tu sais, moi, je suis Congolais de peau blanche. Ok. Je dis, oui, moi, je soutiens ça. Franchement, je suis dans le même discours que M. Basile. Moi, je soutiens ça. Pourquoi? Parce que il y a des Congolais qui, et d'ailleurs, avant de dire ça, je veux dire, cette histoire de père et de mère, moi j'appelle ça une bassesse. Une vraie bassesse au XXIe siècle, on ne peut pas parler de ça. Franchement. On ne peut pas dire que tel, moi je suis des pères et des mères. D'ailleurs, l'histoire. Manque des notions de nationalisme. Dans l'histoire du Congo, ouais, tout le monde est venu de quelque part. Mais bien sûr, bien sûr. Je l'ai prouvé ici, les Kassayens sont venus du nord. Ouais. Les Mungala est venu du nord. Vous comprenez? Donc, personne n'est autochtone, natif, sorti des terres congolaises. À comme part les champignons. Pays. Comme les champignons. Comme les champignons. Non. Nous tous, on est venus de quelque part. Mais à cause de la conférence, justement, de Berlin. On nous a donné cette, comme l'a dit si bien M. Basile, la propriété de Léopold II. Nous avions, je l'ai toujours dit aux Congolais, Bandeko, attaquons le problème là où il est. Voilà. Toutes les fois que vous mettrez un discours qui ne cadre pas avec la vérité, vous serez en dehors de la réalité. Okay. La réalité est telle que le vrai Congolais est celui qui s'est retrouvé sur le sol congolais en 1885, lorsqu'on a attribué l'État indépendant du Congo. Voilà les Congolais. Tous ceux qui sont venus, tous ceux qui sont venus avant ou
Non, d'abord on commence par là. Et qui était au Congo à ce moment-là? Et quel était le Congo à ce moment-là? À ce moment-là, le Congo s'étendait jusqu'au-delà des frontières rwandaises. Même l'Ouganda. C'était des royaumes à l'époque. Enfin, pas l'Ouganda, mais le Burundi et le Rwanda. C'est après qu'on a coupé ça. Donc vous comprenez, surtout qu'il y a un contexte, vous allez vous rendre compte que nous ne pouvons pas dissocier un rwandophone, un burundiphone et un congolais. Ça n'a aucun sens. Toza Bomoko, nous sommes les mêmes. Vous comprenez? Alors, c'est aussi que moi je dis, cette guerre que nous avons à l'Est aujourd'hui, demain peut nous venir au Sud, au Katanga. Parce que je l'ai dit dans votre émission, les chefs Kaponda et chefs jusqu'en Zambie, il va en Zambie sans visa et le président zambien s'incline devant le chef Kaponda parce qu'il le reconnaît son chef traditionnel. Okay. Or, le chef Kaponda, sa maison, sa résidence est à Kipusi, au Congo. Vous comprenez? Ce qui veut dire, c'est la même lignée. La même, comme on dirait en lingala, libota moko. Na bango na biso toa batu moko. Ok. Lorsque vous venez ici, chez les Manyanga ici, au Congo central, ils sont Manyanga au Congo, ils le sont au Congo Brazzaville. Donc demain, aujourd'hui, il y a des mariages qui se font. J'avais posé la question ici à votre émission. Moi, na ya Manyanga ya Congo, na Manyanga ya Brazzaville. À Botami. Cet enfant qui est né au Congo, est-il congolais, oui ou non? Oui. Mais il est de mère, Manyanga du Brazzaville, le père, Manyanga du Congo. Est-ce que nous pouvons, nous devons exclure ces garçons ou cette fille de la communauté, soi-disant, sa mère, elle n'est pas de notre, tout ça. C'est de la bassesse, tout simplement. Donc, moi je pense... Je vais dans le même sens que M. Basile. Okay. Il est bien vrai. Monsieur Basile, vous me connaissez d'aujourd'hui, mais lui, il sait, j'ai toujours demandé ces dialogues-là. Et je l'ai refusé à la Congolaise, où quand ils se réunissent, c'est pour se partager des postes. Des postes, ah non, ça. J'ai dit non. Et quand je le demande, je ne le demande pas pour qu'il y ait des postes à partager non plus. Mais que nous puissions échanger sur des questions des souches. Voilà. Qu'on mette des personnes sages, peut-être pas seulement intelligents, mais sages, qui doivent résoudre tous ces problèmes, qui ouvrent un boulevard à l'Occident de continuer à nous faire du mal. Du mal, voilà. Parce qu'aujourd'hui, M. Félix Tshisekedi n'est pas un président fort. Tout simplement pourquoi? Parce qu'il y a eu un parrainage extérieur. Kagame se tape la poitrine que c'est grâce à lui que Félix est devenu président. Vous comprenez? Les Belges, de même, ils disent non, on nous a consultés avant. Nous pouvons. Moi, c'est qu'il y a un autre message que Kabila avait. Moi, je n'ai jamais été kabiliste. Mais quand même, je suis congolais. Et il avait dit quelque chose de très important dans un de ses sorties médiatiques. Hein. C'était. Il faisait l'état de la nation. Hein. Il dit nous devons créer la démocratie à la congolaise. Je me suis toujours posé la question. Qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Créer une démocratie à la congolaise. Mais je peux réfléchir à haute voix. Je me dis, la démocratie occidentale est aujourd'hui, nous le savons tous, fausse. C'est d'apparence. Et peut-être que lui avait une idée de créer une démocratie qui sera une véritable démocratie. Peut-être, je dis. Mais l'Afrique précoloniale l'avait, cette démocratie. Mais voilà. On avait. Voilà. Donc, des institutions démocratiques. Voilà, donc je pense qu'on peut créer un État fort, mais on ne va pas le créer en dehors des dialogues entre Congolais et de vrais. Okay. En dehors, ça sera impossible. Non. Moi, je pense, allez-y. Monsieur Félix Tshisekedi, je lui avais demandé déjà, dès son premier mandat, réunis le Congolais autour d'une table
pour réfléchir des questions cruciales de la nation. Ce n'est pas la démarche de Fayulu qui a été un peu... Peut-être, mais je l'avais aussi approuvé sans connaître les motivations de M. Fayulu. Mais je pense que tout Congolais qui appelle à un dialogue, pour moi, il est le bienvenu. Peut-être on va chercher à savoir de quel dialogue s'agit-il. Après, d'abord, je l'accepte. Vous voulez dialoguer? Ok, venez. On se met sur une table et puis on va attendre. Parce que même la Bible dit, ne crois pas un homme avant qu'il ouvre sa bouche. Donc quand il vous ouvre la bouche, alors à ce moment-là, on saura de quel dialogue parlerait-il. Mais si c'est un dialogue séparatiste, pour dire, parce qu'il y en a, monsieur Tchani a voulu un dialogue dans ce sens-là, en amenant cette bassesse sur la table, mais nous disons, pas ce genre de bassesse. Venez, soyons... Vous savez, le Congo est très fort. Nous avons toutes les capacités et toutes toutes les énergies positives autour de nous. L'Équateur, le Sud, l'Est et l'Ouest, si nous nous mettons ensemble, et l'homme blanc le sait, si nous nous mettons ensemble, on va bouger l'Afrique. Très bien. Merci beaucoup, monsieur Damien. Alors, j'ai rêvé également à cette question liée à nos réalités actuelles. Qu'est-ce que vous comprenez par là? Il faut une constitution adaptée à nos réalités. On ne comprend pas parce qu'il y a ceux qui pensent que c'est dans l'essence de renforcer les pouvoirs des institutions et ainsi de suite. Est-ce que vous pensez que c'est les problèmes? Bon, j'échange un peu ma question. Est-ce que le problème de notre pays, c'est l'homme ou les textes? Ça dit qu'il faut... Il faut comprendre les réactions des uns et des autres. Hein. Y a des individus qui sont incapables de transcender leurs intérêts personnels pour l'intérêt général, hein, culturellement, ou peut-être par égo, surdimensionné. Mais ceux qui ont le sens de l'intérêt général, qui veulent la survie de notre communauté politique, c'est ça qui est important. Nous voulons quoi? Vivre ensemble? Ou alors qu'on se casse les figures tout le temps. Non, je crois que pour un Congolais sensé, nous voulons quand même une stabilité politique. Hein, parce que vous savez, en chaque être humain, il y a du potentiel. En chaque être humain, il y a du potentiel. Mais il faut que la collectivité donne à cet être humain la possibilité de s'épanouir pour que son potentiel naturel soit utilisé, soit utile pour la communauté. Tous ces enfants Kulouna, par exemple. Vous croyez que ces enfants Kulouna sont des débiles nés? Non. C'est parce que la collectivité ne leur a pas donné un environnement pour s'épanouir. Okay. Ici, nous voulons quoi? Nous voulons qu'on règle une bonne fois pour toutes, soit plus de 64 ans après l'indépendance, qu'on règle une bonne fois pour toutes ce problème de nationalité. C'est-à-dire... Celui qui se sent congolais, aïe, avant de dire, Oyokuna le Bikaza congolais, Yakao, Oyokunaza congolais, Yakao. Maintenant, si nous nous acceptons en tant que citoyens congolais, c'est pour cela que je parle du pacte citoyen, on s'accepte mutuellement, on pose le fondement moral. Ça, c'est le fondement moral. Maintenant, le fondement intellectuel sera la constitution pour organiser. Le pouvoir politique, comment nous allons nous organiser politiquement. C'est ça le fondement intellectuel dans la Constitution. Donc il y a d'abord le fondement moral, le pacte de citoyen, le pacte citoyen, et puis le fondement intellectuel, la Constitution à élaborer entre nous, dans l'autonomie. C'est ainsi que c'est une opportunité, ce débat est opportun, dans le sens que la situation à l'Est, là, exige un dialogue politique. C'est-à-dire, nous devons tous nous mettre autour d'une table. M23, qui là, en Ituri là-bas, ainsi de suite, tout ça là, au Katangala, avec les... Vous voulez qu'on mette l'opposition non armée, l'opposition armée autour d'une table? Mais toutes les forces vives de la nation. Hein, vous n'allez pas... Exclure. Vous savez, si vous voulez réussir ça, ce processus, il faut éviter l'exclusion. Hein, parce que ceux que vous allez exclure, s'ils ont les moyens, mais ils vont déstabiliser le pays.
les forces étrangères qui ne veulent pas que vous soyez organisés. Mais ils vont justement s'asseoir sur ces mécontents pour déstabiliser notre communauté politique. Donc cela veut dire que... Non, donc la demande, non, la position de Félix Tshisekedi de ne pas collaborer avec cette opposition armée. Oui. Non, mais ça, ce sont des surenchères. Je vais l'aider. Oui. Mais ça c'est autre chose. Mmh. Oui, c'est ça. C'est que M. Bali dit autre chose aussi. Mmh. L'opposition armée, ça, ce sont des rebelles. Oui. Mmh. Il est tout à fait logique pour lui, en tant que chef d'État, il ne peut pas négocier avec les rebelles. Mais ce que M. Basile dit, c'est autre chose. Dans il ne parle pas de personnes qui ont pris les armes, non, il parle de natifs. Il parle de personnes habitant dans ce coin-là. Non, parce qu'il parle de les étrangers, le voisin, par exemple, Kagame soutient une armée, parce que quand ils sont frustrés, c'est là que l'ennemi profite pour ravitailler. Non, c'est pas comme ça. Mmh. Je dis ceci. Mmh. Bon. Prenons le cas de la crise à l'Est. Okay. C'est une crise identitaire, non? Hein? Vous êtes d'accord avec moi? Bon. Mais écoutez, quand vous écoutez Bitakwira, hein, dans le sud Kivu, parce qu'on parle de Bounagana, le nord Kivu, mais dans le sud Kivu là-bas, il y a les Banyamoulé qui se battent là. Parce qu'ils sont méprisés, ils sont refusés, n'est-ce pas? Bon, donc, il y a cette problématique Banyarwanda qui est là. Donc, il y a des Congolais qui ne veulent pas des Tutsis au Congo, qui ne veulent pas des Hutus au Congo. Mais il faut qu'on trouve une solution. Si il y a un groupe de Tutsis ou de Hutus qui prennent les armes, qui se révoltent parce qu'on les méprise, eh bien, vous allez les appeler, venez un peu ici. Quels sont vos griefs? On va trouver des solutions politiques. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Très bien. Non. Donc, vous n'allez pas rejeter ces gens-là qui ont pris les armes. Hein? Vous dites non, vous comme vous avez pris les armes, on ne vous accepte pas dans ce dialogue national. Mais vous aggravez des contradictions. Puisqu'en politique, c'est un problème de rapport de force. Vous êtes d'accord avec moi? Si vous ne voulez pas accepter ces Congolais qui ont une certaine capacité de nuisance, hein? Dans le rapport de force sur le terrain, ils montrent qu'ils ont une certaine capacité. Mais le bon sens voudrait quand même qu'on discute avec eux, qu'on trouve une solution politique, pacifique. C'est le bon sens même. Ok. Voilà. Alors, c'est dans ce sens-là. Mais alors, est-ce que, monsieur Damien, on ne risque pas de revivre les mêmes tensions de 2016, 2017, ainsi de suite? Parce que nous voyons l'Église catholique mettre en garde le pouvoir en place de ne pas oser les toucher à la Constitution. On ne veut pas revivre les mêmes choses. Justement, c'est ce que nous avions dit en entrée de jeu. C'est-à-dire, aujourd'hui, la Constitution ne peut pas la bouger dans l'état actuel. Et je pense que même l'Église catholique dit la même chose. Même les opposants disent la même chose. On ne peut pas la toucher maintenant. Parce que les raisons évoquées ne sont pas liées à ce que... Non, mais ce sont les... Comment dire? Ce sont les détails, en fait. Je pense que Félix veut s'éterniser. Non, oui, mais ça, ce sont les détails. Chacun a son avis. Hein. Voilà, chacun a son avis. Mais dans le sens dont vous nous sommes... Ce sont les détails. Il peut s'avérer aussi vrai, tout comme ça peut être faux. Mmh. Vous voyez? Parce que... Et puis, c'est ça ce que je dis. M. Félix, c'est qu'il a un discours... comment dire, ambigu. Il n'est pas ouvert, il n'est pas clair, il ne dit pas ce qu'il faut. Parce que quand il dit, devant la population, il dit quant aux articles verrouillés, c'est la population qui doit aller en référendum pour les déverrouiller. Qu'est-ce qu'il il envoie, la population? Quel est le message qu'il envoie dans cette population? Donc je vais vous amener cette constitution, vous le peuple, vous allez la changer. C'est ça, c'est ce qu'il veut dire. Or, il sait bien que on ne peut pas le changer. Vous comprenez? C'est ça la distraction que moi j'ai qualifié de distraction. Et lui-même sait dans son fond intérieur qu'il ne va pas toucher à cette constitution. Bon, une commission sera mise en place pour même réfléchir. Même s'il mettait une commission, si c'est une commission qui doit travailler pour le changement de la constitution dans l'état actuel, cette constitution, ça sera, ajouter de l'huile sur le feu. Nous devons d'abord bâtir une nation forte.
très forte tellement que les voisins ne peuvent pas venir nous enquiquiner. Et la manière dont j'avais dit ici, sur votre plateau, et même dans d'autres plateaux je suis passé, je leur dis, la meilleure manière de rendre cette nation forte, c'est de nous unir tous sur une même idéologie. Aussi longtemps qu'il n'est pas d'abord accepté en tant que président, vous avez suivi les opposants. Mais, jusqu'aujourd'hui, mais c'est ça le problème. Ça complique un peu. Qui n'accepte pas le président Tshisekedi comme président? Prenons le cas de Fayoulou. Il n'a jamais accepté les élections. Écoutez, si Fayoulou... Non, soyons sérieux. Ouais. Si Fayoulou se sent le président de la République, qu'est-ce qu'il attend justement pour mettre tous les Congolais autour d'une table? Sont sérieux quand même. Hein? Bon, je crois qu'aujourd'hui, la seule institution légitimée, habilitée à mettre tous les Congolais autour d'une table, c'est la présidence de la République. Et il n'y a qu'un seul président reconnu par tout le monde. C'est le président Fatih. Okay. Voilà, donc ça c'est entré dans ce débat de caniveau-là. Mmh. Alors, j'étais là, mais M. Damien, vous êtes en train de rappeler. De dire que M. Félix Tshisekedi doit rendre ses pays forts, surtout qu'il y a Zamo Namboka. Hein? À Kabila, on a attribué tout ce qu'on voulait, mais lui au moins, tout le monde sait que maman n'est Mahamat, papa n'est papa Tshisekedi. Donc, lui, il pouvait mettre tout le monde autour d'une table et surtout qu'il a reconnu que le Banamouling va s'abattre pour l'ambition. Moi, je ne trouve pas un problème là-dessus. Il devait faire une table ronde où les Congolais seulement se retrouveraient et même cette constitution, comme l'a dit M. Basile, pouvait être élaborée par le Congolais avec nos réalités congolaises tout en mettant dans notre tête que Nous sommes ce que nous sommes parce que nous venons tous de quelque part et donc mettre tout le monde ensemble. Par exemple, cette histoire des doubles nationalités, c'est un débat qu'il faut admettre et il faut aller dessus. Un Belge, un blanc belge qui est né au Congo, grandi au Congo, moi je lui attribue cette nationalité des Congolais. Parce qu'il y en a ceux qui aiment le Congo plus que même plusieurs Congolais. Mais bien sûr. Mmh, okay. Et moi, je dis, le jour qu'on va intégrer ces gens-là dans nos gouvernements, Makambe Obonga, vous savez que dans cette ville, il y a un monsieur Tshalupa, paix à son âme, qui est décédé parce qu'il défendait la ville de Kinshasa. Voilà. Et il voulait devenir un ami. À qui on a, enfin, je ne dirais pas tué, mais il est parti dans des conditions aussi obscures. Oui, c'est ça. Il aimait le Congo. Vous voyez, donc moi je pense que ce qui est plus important maintenant, c'est ce que nous disions toujours. La priorité, c'est de réunir les Congolais autour d'une table et de parler souche. Okay. Pas partage du pouvoir, mais souche. Mais quant à la Constitution, on ne peut pas la changer maintenant dans les contextes actuels de choses parce que ça nous amène une distraction. Ok. Ouais. Les pays sont en guerre, battons-nous, récupérons. Et pour que cette guerre cesse, il suffit de réunir tout le Congo autour d'une table. Nous, voilà. Et Sili. Mais tu même, ça vraiment Félix Abouya. Alors, il nous reste pratiquement 4 minutes. Dans 2 minutes, on retient quoi sur cette question liée à la Constitution dans ce contexte où les pays semblent ne pas être en paix? Oui, pour le changement de la Constitution. Il faut que les Congolais innovent sur le plan institutionnel, avoir un esprit d'une nation congolaise. Oui, il faut changer cette constitution, mais alors, il y a un préalable. Il faut poser les bases de la citoyenneté congolaise. Il faut que chaque Congolais se retrouve dans ses droits et devoirs de citoyen congolais, qu'il ne se sente pas marginalisé. Il faut qu'il se retrouve dans sa liberté, dans son identité, son intégrité, sa sécurité et son bien-être. Parce que dès lors vous commencez à marginaliser un individu ou un groupe d'individus, mais ce n'est que normal qu'ils se révoltent. Okay. Surtout si leur vie est en danger. Ce n'est que normal qu'ils prennent les armes, s'ils ont la possibilité de prendre les armes.
Vous ne pouvez pas empêcher quelqu'un de se protéger ou de protéger sa famille ou sa communauté, sachant très bien qu'ils sont persécutés, ils sont tués. Voilà. Donc, il faut qu'on se retrouve autour d'une table pour poser définitivement les bases morales et intellectuelles de notre communauté politique. Merci beaucoup. À vous également, M. Damien, on a fini. Vous avez également des minutes. On retient quoi? Non, justement, moi je suis contre le changement de la Constitution. Pour l'instant, bien sûr. Ah ouais. Oui. Et ce qui est plus important, nous devons rendre notre pays fort. Nous l'avons toujours dit dans vos officines, nous l'avons toujours décrié. Et très peu de Congolais nous comprennent, mais nous avions compris le vrai enjeu de ce qui ronge la République. C'est de nous unir. Regardez, chaque président qui vient au pouvoir, il cherche toujours à diviser la communauté. Oui. C'est pourquoi? Parce que lorsque vous êtes divisé, il vous domine. Et c'est ce qui est aujourd'hui. Ah, mais c'est Daniel. Mais justement, c'est vrai. Ce qui est aujourd'hui, c'est que M. Félix Tshisekedi semble élever une partie d'une certaine tribu, et puis les autres, il y a la marginalisation. Alors, très souvent, c'est comme un chien, un berger. Lorsque les autres veulent parler, on va vous arrêter et tout ça, et on arrête certaines personnes. Je pense que ça, c'est lui-même qui est fragile, parce qu'aujourd'hui, il est la proie des autres. Il est la proie des autres, et les autres le malmènent. Or, il peut être très fort. Avant-hier, je l'ai dit dans une émission, je l'ai dit ici chez vous, Musée Laurent Désiré Kabila, qu'est-ce qu'il a fait pour contrecarrer les rebelles venant de l'extérieur pour attaquer la ville de Kinshasa? Il a tout simplement appelé la souche. Il ne leur avait pas donné les armes. Il leur a dit Bola Muka et Sika Bozali. Je me rappelle, Herodia, ce jour-là, il parlait en dialecte. Il demandait au peuple congolais, Congo, levez-vous, réveillez-vous. Parce qu'il ne vous laissez pas être dominé ou bien pris par les rebelles. Et nous avons vu des gens sortir à main nue, s'il vous plaît. Ils ont maîtrisé. Même les blancs, là, ils se sont étonnés. Oh, ces gens sont comment? Ils ont maîtrisé des hommes en armes. Ici, à Kinshasa, nous les avons vécus. Et donc, il en est de même pour que M. Félix Tshisekedi, s'il veut gagner cette guerre, il n'a qu'à réunir le peuple congolais. Et vous verrez que la guerre ne prendra pas du jour. Ça va finir. Pourquoi? Parce que personne n'aura plus raison. La raison à défendre. Oh, je suis marginalisé. Non, mais tu es là. Vous, de votre côté, qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce qu'il faut faire? Comme l'a dit Papa Jeannot, qui disait à Kabila que n'est-ce que moi na Brazzaville. Vous comprenez? Donc, aujourd'hui, nous aussi, nous allons dire aux jeunes, allez prendre vos enfants qui sont dans la rébellion là-bas, dites-leur de revenir ici. Et nous allons parler le même. Congo est à Mounene. Congo est à Mounene, Moukolo Nango, Isaka Bissomoko, Nifoto Luka, Stinia, et Sikayango. Parce qu'aujourd'hui, on se bat, soi-disant, non, ils veulent voler nos matériels premières et tout ça, mais est-ce que Bazo Zouamote? Non, c'est eux qui s'en chargent. Est-ce que ton PC va monter d'une certaine manière pendant que on peut s'organiser, eux et nous, vous savez, qui ont travaillé dans les mines katangaises? Je pense que M. Basile le sait. Ce sont des Rwandais. Des Burundais. Des Rwandais et des Burundais. Est-ce que ça n'a pas profité à la République? Bien sûr que si. Quand les Rwandais ont quitté la MIBA est tombée. Merci. Chacun a ses... Le projet Inga, le feu Barthélémy Bisengimana, réfugié rwandais. Ah ben voilà, que Mobutu a pris. Merci beaucoup. Que Mobutu a pris à la tête de son cabinet. Et voilà. Donc aujourd'hui, réunissons nos forces et ensemble, mettons-nous au travail. Nous allons le Congo. Et puis, Bobo s'en a raté, le Congo est une charnière. Pour que vous soyez charnière, il n'y a pas d'autochtones. Ok. Merci beaucoup, messieurs Damien. Merci beaucoup, messieurs Basile. Nous avons fini. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce magazine. Les rendez-vous est pris d'ici là. Portez-vous bien. Au revoir.